Chers amis, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est un plaisir pour moi d'entrer la cas au matin avec une petite réflexion sur parole, mon Dieu. Jeudi, c'est vendredi 7 mai 2021. Et une petite réflexion mène-nous dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Moi, c'est serviteur pasteur Abraham Kalis, qui toujours prend tout plaisir pour porter pour vous chaque matin du lundi au vendredi une petite réflexion sous parole, mon Dieu. De Chroniques, chapitre 20, verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Qui position prend là où en face danger? Maintenant, nous devons une histoire qui raconte nous la vie. Un roi qui était le Josaphat dans le pays Juda qui était gagné 3 grandes armées qui étaient levées contre lui-même avec l'armée de Juda que l'État dirigeait. Dans la situation, selon ce que nous jeunes écrit dans le verset 3, dans 2 Chroniques, chapitre 20, il dit, lorsque vous portez nouvelle là-bas, Josaphat, dans sa frayeur, il était choisi chercher l'Éternel. Il est disposé pour le chercher, mon Dieu. Qui position prend matin devant menace ou yon? Qui position prend matin devant maladie? Qui position qu'on prend devant défi qui campe devant ou matin? Est-ce que c'est marcher raconter moun? Ou du moins, ou choisi prend position pour chercher présence bon Dieu? La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Maintenant, même Jean-Josaphat est pris position pour te chercher, mon Dieu. C'est de même pour moi-même avec vous, pour nous chercher, mon Dieu. Et Josaphat est précis dans la prière. Josaphat est devant mon Dieu, avec exactement ce qui t'a ennuyé là. Maintenant, n'a pas encouragé. Allez devant mon Dieu avec persécution. Parlez avec mon Dieu de ce qui t'a ennuyé. Josaphat dit, dans le verset 20, ô Éternel, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Ô papa, est-ce qu'on peut exercer, est-ce qu'on peut prendre bataille ça pour moi? Que le Seigneur prenne bataille ça pour vous matin, au nom de Jésus. Alléluia. Que mon Dieu vole avec vous, au nom du sang versé à la croix. Parce que devant ça nous y est là, nous pas de force pour nous résister à elle. Devant menace kidnapping, devant menace de mort, devant toute jalousie, hypocrisie, rancune, monde qui campe en face pour détruire. Que bon Dieu levez camper. Que bon Dieu prend bataille ça pour nous-mêmes au nom de Jésus-Christ. Psalmiste l'a dit dans le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre.
Bien-aimé, devant ça, nous y est là. Nous n'avons pas de force. Il y a des gens actuellement qui ont un code marée sécure. Il y a plein. Il y a des gens qui ont mis dans ma choix, il y a demandé qui ça va faire. Mais qui t'aime dire, nous avons un bon Dieu qui ne va jamais perdre la bataille. Et qui ne va jamais perdre la bataille. Ésaïe 41, verset 10. Te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je viens à ton secours. Je te fortifie de ma droite triomphante. Ô gloire à Dieu. Notre Dieu est là. Il est là. Lila. Lila. Ou seul bagay. Ankembe, regarde-nous sous lui-même. Même Jean, Salmis l'a dit dans le psaume 123. Même Jean, serviteur, Ankembe, yeux fixés sous mes maîtres. C'est comme ça, yeux nous fixés sous délivrance, mon Dieu. En garder la foi. À nous garder la foi, bien-aimés. Parce que, bon Dieu, pas quitter ça comme ça. La première bataille là, et la bonne victoire. Que bon Dieu bénisse, et nous souhaitons passer un très bon week-end. En la protection divine, Seigneur. Pas oublier, on a deux plans, mais papa, bon Dieu. Zafo, pas qu'à passer mal. Que bon Dieu bénisse.